Bonjour à tous et bienvenue sur la page Facebook de France 3 Corse. Alors on se trouve sur la plage du Scudo où se déroule un atelier de fabrication de cerfs-volants. Et donc pour en parler, je me trouve avec Jim. Jim, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui se passe là aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est l'envol des cerfs-volants dans le pays ajaccien. Ça fait quelques années que je considère la mer aussi importante que la montagne en Corse. Et j'avais fait quelques journées du vent à la Parata. Cette année, j'ai décidé de donner rendez-vous à différentes plages avec des cerfs-volants traditionnels indiens. Alors, je fais la fabrication traditionnelle avec des bambous, du papier et un petit morceau de ficelle. Vous m'aviez dit que vous vous êtes spécialisé dans la fabrication en bambou. Alors, pourquoi ? En bambou papier, c'est une tradition en Inde et que les cerfs-volants sont recyclables. C'est des matières naturelles et c'est l'essence même du cerf-volant qu'on peut partager, qu'on peut casser et ensuite refabriquer. Ça fait rêver tout le monde, c'est en accord avec la nature et c'est aussi un bel objet de paix et d'amitié entre les peuples. Le cerf-volant, on en voit sur le mur de Gaza, on en voit en Afrique du Sud, on en voit dans tous les pays. Cometas, Aquilon, Draron, chacun a son nom. Et voilà, le cerf-volant, c'est un jouet millénaire et je pense que ça ne va pas s'arrêter. Alors moi ça m'intrigue un peu parce que je connais pas du tout comment en fait on fabrique un cerf-volant. Et vous m'avez dit que c'est assez rapide. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu ou expliquer à quelqu'un qui est là qui voudrait Bien en sûr. Faire un? Alors justement Stefano là il a fait déjà le premier atelier. L'idée c'est d'abord de faire un croisement de baguettes, puis avec un fil qui passe tout autour, on arrive à faire une sorte d'arc comme ça. D'accord. Une armature. Que l'on pose sur du papier, un petit encollage de tous les côtés, et le cerf-volant est prêt à voler. D'ailleurs, là, il y en a un qui vole, qui a été fait là, il y a un quart d'heure là, à l'atelier. Vous m'aviez dit que c'est assez rapide, en fait. Ah, c'est assez rapide quand on possède toutes les parties, c'est assez rapide. Là, un enfant de 8 ans l'a fait hein, lui-même, donc c'est très abordable. Il n'y a aucune partie en plastique. C'est l'essence du cerf-volant. Et je vois qu'il y a plein de styles différents. En fait, aujourd'hui, il y a une délégation sarde qui est venue, c'est Il y a une délégation de sarde qui est venue. Qui, alors, eux font des cerfs-volants plutôt en tissu à la machine, cousu à la machine, là, comme ceux qu'on voit là sur le côté droit. Et puis, j'ai apporté les deux grands trains qui viennent de Bombay. Ce n'est pas moi qui les ai fabriqués, mais j'ai appris à les faire manœuvrer. Il y a 150 mètres de cerf-volant. C'est des trains qui ont été faits par des Indiens au festival de Dieppe. Et on a fait l'atelier et ils nous ont laissé le train en entier. Alors on se le passe de club à club. Et donc ce train-là a volé à Dieppe, a volé au Sable d'Olonne, voilà, à Quimplage aussi. Et le but, c'est aussi de mettre peut-être en commun vos savoir-faire entre les sardes, entre ce que vous savez aussi ou... Oui, bien sûr. Chacun a un peu ses traditions. Eux, ils sont... c'est comme un peu les Italiens, dès qu'ils sont dans l'artisanat, ils sont très forts dans les couteaux, les motos et dans les cerfs-volants aussi. Ils font des trucs magnifiques. D'ailleurs, les deux espèces de ballons, là, ils sont faits entièrement en appliqué. C'est un peu comme un vitrail. Et à chaque fois, il n'y a qu'une seule surface de couleur. Donc, ce qui fait que c'est très... très lumineux, très lumineux visuellement. Oui, c'est vrai que ça fait un peu rêver, c'est très joli quoi. Et là, vous allez faire quoi alors maintenant ? Alors, aujourd'hui, on est déjà bien content que Éole soit avec nous. Il nous reste à mettre en place un jardin du vent, des petites structures éoliennes qu'on plante dans le sable. On va attendre un petit peu qu'il y ait plus de place sur la plage. Et demain, on donne rendez-vous à Capodifène. Capodifène, où là, on aura beaucoup plus de place et on va faire une tentative de pêche au cerf-volant avec un fil à pêche accroché à un cerf-volant qui va très très haut et qui est très très loin dans la mer et qui normalement peut rapporter un ou deux poissons. Bah, merci beaucoup Jim d'avoir été avec nous, je vous laisse un petit peu finir ça. Ouais. Donc pour tous ceux que ça intéresse, je vous retrouve demain dans le Corsica Zera pour voir un reportage complet sur la fabrication du cerf-volant et je vous laisse admirer pour l'instant le ciel.